tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play Borderlands Breath Sequel sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté après avoir détruit l'œil d'Elios. On avait vu que c'était vraiment un œil, c'était l'œil du destructeur. On va tout de suite continuer en allant par ici, pour aller jusqu'au site de forage principal. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Kaya the Bradman. Allez, go. Ouais, donc j'espère que vous avez bien coupé le téléphone parce que moi, oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Fallait me dire qu'il y avait des quêtes ici. Bah, vous savez quoi? On va faire une petite ellipse. On se retrouvera pas loin d'ici. Et je vais faire les quêtes annexes. Allez, ellipse. Et me revoici. Donc, on reprend juste ici. Alors, regardez sur la map où on est exactement. On est ici, pas loin du point où on devait être. J'ai fait les trois quêtes annexes. Il n'y avait rien d'intéressant. Trois quêtes annexes, ne vous inquiétez pas. On a juste reçu une petite arme, celle-ci. Ah bon, on vient de monter de niveau d'ailleurs. Alors. Ça va devenir violent. C'est ça. C'était fait, hein. Je sais qu'il faut déjà que je rentre. Prends son temps. Voilà. Et là, on y va. Donc, j'étais déjà passé par ici. Donc, il y a un dialogue qui s'était lancé. Mais c'est tout, quoi. Rien d'autre. Alors, les éternels, je sais pas c'est quoi exactement. Mais. Enfin, c'est spécial. Bon. Non mais non, oh là là, mais déjà mort. Oh. Comment dire que ça va m'énerver? Putain, j'y crois pas quoi. Bon bah c'est reparti. Heureusement que c'est juste à côté. Jour 38. Tous mes hommes souffrent d'une étrange éruption cutanée violette. J'ai également remarqué que la plupart d'entre nous étions étonnamment calmes. Demain, j'emmène une équipe dans le puits pour découvrir l'origine des vapeurs que nous respirons. Attendez, pourquoi je suis aussi lent? Une blague. Ah, c'est mieux. Toujours pas. Problème là. Ouais, y'a un gros problème. C'est vraiment bizarre ça. Si je fais ça, puis je reprends ça, toujours. Ouais, je comprends pas pourquoi. On va dire que c'est pas grave. Hein. Attendez. Et me revoici encore une fois. Alors, attendez vite fait. Un gardien. Protecteur de l'arche. Allez. Je peux même plus avancer normalement.
un bug. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Voilà. On fout. Mais c'est quoi ce bug là? Putain. J'espère que si je change de map, ça retirera ce bug. John, c'est fini. Et cette fois, le conseil est avec moi. Tu es renvoyé. Prononcez un mot de plus et je prendrai tout mon temps pour vous tuer. Qu'est-ce que ça en fait trois? On se parle bientôt. Des méchants, au boulot. Boum. Voilà. Waouh, il y a un paquet de saloperies extraterrestres étranges par ici. C'est plutôt bon signe, tu crois pas? Ça veut dire qu'il y a un truc vraiment cool qui m'attend un peu plus loin. Oh là là, il se traîne le personnage, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, te traîne plus là, sinon ça va me faire chier. Désolé de dire ça, mais ça me fait chier. Parfait, c'est bien. Essaie de voir où ça mène. Bon. Vous savez quoi? Je relance le jeu. Allez. Et voilà, tout de suite ça va mieux. What? Je me rends! J'abandonne! Évidemment! Allez, tue-le. Mais pourquoi? Je ne tue pas les gens qui ne m'ont rien fait. Merci! Merci! Mais enfin, lui laisse pas la vie sauve! J'ai bien l'impression qu'on a trouvé notre entrée. Voilà. On va y aller. Donc on est dans quelle zone là? Ok. Prudence, aucune atmosphère détectée. Oh. Mais c'est quoi ce truc? Ils comprennent vraiment pas? Ils sont déjà foutus. Chasseurs de l'arche repérée, ouvrez le feu! Ah mais non! Hors de question de reculer! Abat-moi ce salopard et roule-toi dans ses boyaux comme un petit animal heureux. On combattra sans relâche jusqu'au dernier! Désolé, j'ai pas écouté. Tue-moi ce type, d'accord? Faut pas qu'on perde le rythme. Jack, on pourrait juste foncer jusqu'à l'arche. On n'a pas besoin de combattre ce vaisseau. Non! Tu laisses un seul ennemi en vie et il te tirera dans le dos. Je ne veux aucune surprise. Je ne veux aucun survivant. Faut qu'ils sont vaisseaux et que ça s'écrase un peu. On l'a perdu. Ok. Ça ne reviendra pas. Sérieusement. Continue, je te retrouve là-bas. On approche du but. Oh oui, je le sens. Ok. Je vais entrer là-dedans avant que Roland et Lilith nous coiffent au poteau. What? C'est quoi ce bug? Où est-ce qu'il est là? Le dernier, il est là? Non, c'est pas lui, ça c'est le principal Cryo. J'aurais déjà tué. Ça, c'est du butin de qualité. Mais je le connais. Moi, je ramasse tout ça. Hein. Ah, d'accord. Si, c'était le principe. C'était bien lui. Celui-ci.
change d'apparence à chaque fois. Bon, allons-y. Ouais. Inabordable. Y a rien d'autre à faire ici. Les codes de Tico. Oh mais non, c'est une blague, dites-moi. Pas mourir avant avoir payé. Encore des quêtes annexes, tout plein de quêtes annexes. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Évitons tout malentendu. On va déjà les chercher et ensuite prenez les livres pour les faire. Sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. Ça vous verrez le cheminement que j'ai fait. Alors, il y en a combien en tout? Il y en a une là, Z8N, TP, un peu de pitié pour le messager. Bon, allez, je vais faire les deux bons vidéos pour une fois. Oh, j'aime bien cette zone par contre. Je la trouve très 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 belle. Y'a rien de tel qu'un démembrement réussi. On va se calmer. Voilà. Un peu dur, hein. Alors. C'est une blague. Voilà. Ces ennemis ils arrivent aussi en plus. Pas facile hein. Faudrait que je regarde la quête est niveau combien. Toujours niveau. Elle est niveau 26, j'ai toujours le niveau hein. Gardons la tête du vaisseau. D'accord, il faut falloir que je fasse. Bah non, je peux passer comme ça normalement. Bon sang, regarde-moi ça, cet endroit est vraiment génial. Je veux dire, qui ne se battrait pas pour récupérer un bout de ce qu'il y a dans cette arche? Ou tout ce qu'elle contient? Je sais vraiment plus viser, c'est. N'importe quoi ça. Adieu. Oups, ça c'est pas ce que je voulais faire. Alors, il y a une zone là-bas. Un instable, c'est vraiment pas facile hein. Je vous dis ça comme ça mais ça se voit qu'on arrive à la fin du jeu. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus court que
que le 2. À 100%. Et beaucoup, beaucoup plus court. Ah, là 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 là. Comment ça, je te touche pas, allez. La défaite n'est pas dans mes gènes. Ouais. Passer par là en plus, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit secret, c'est ça? Avec des roquettes, ça passe au travers. Je sais pas si c'est un bug, mais si c'est un bug. Putain, quoi. Chier. Dégage de là, soldat, et surtout ne reviens pas trop vite. Ah, et vas-y, j'en prends ici. J'y crois pas. Ça m'énerve un peu là, hein, pour tout vous dire. Le chemin je dois faire. Mais je veux cette quête là-bas, putain. Ouais. Je pense que dans une ou deux heures on a fini le jeu. Sans vous mentir. Voilà, ça me je voulais aller. Qui est le grand chaud? Après des années passées dans les bras rochers vers le dessus, j'ai pu apercevoir le vrai visage de l'univers. Si le temps va à reculons, devient-il impossible d'être en retard? C'est pas simple d'acquérir la sagesse, la sérénité et tous ces trucs. Pour maintenir un tel niveau de bonheur, je dois être sûr de toujours avoir des réserves de violet. Alors, en réalisant quelques-uns de ces trucs bizarres, et enfin. Cinglé, hein. Alors c'est quoi cette quête de petit là? Il faut que je quitte vers cette zone, c'est ça? Là ça me dit d'aller où? Ça me dit d'aller là, explorer la structure. D'accord. Oulalalalalala, c'est pas simple, c'est pas simple. J'ai pas assez d'armes élémentales en plus. Alors que j'en drop. Allez, on passe par là. C'est quoi? On dirait comme une sorte de bouclier.
Un bouclier qui nous bloque le passage. Un bouclier qui ne me plaît pas. Donc, ok, il faut que je fasse tout moi-même. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Cidal, aucune mort n'est inutile. Allez, on se bouge. Trois moyens de passer le champ de force. J'en sais rien moi, peut-être par là-bas. Ils font peur ces ennemis, c'est nawak. Ils en font combien de balles, c'est n'importe quoi. Alors, je me doute, il fallait que je fasse le tour. C'est quoi cette difficulté hors norme quoi. Je vais pas me battre de la difficulté, mais sur un SI. Ah là là là, putain. On peut pas l'arrêter. Déteste ses ennemis. Plus de vie, allez. Je te laisserai pas passer. Oh. Non. Cette phase me fait péter un câble de fou. Putain, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là ils ont craqué leur cible sur ces mobs. Ils ont craqué leur cible. Allez. J'ai peut-être pas les bonnes armes, mais bon, c'est quand même des armes niveau 24. Oh non, oh non. C'est peut-être pas le bouclier, c'est peut-être le bouclier qui est pas bon. Et voilà, j'ai quand même un bouclier de 1400. Waouh, c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais cru. Mais ça va jusqu'où ce truc iridien? Allez, allez, on avance. Pas le temps, faut y aller. Ok, j'ai rien dit. Excusez-moi. Au canon, vite! C'est notre baroud d'honneur! Pour Sarpedon! Oh, je m'y ferai jamais. Oh non, mais quel nom de débile! Oh bon sang! Oh. Ah. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Waouh, mais c'est... Ils ont un canon là-dedans? Utilise ce canon pour faire un trou et entrer. Voilà. Désolé, je me concentre un minimum là parce qu'il en faut de la concentration. J'aurais jamais dû prendre ce perso. Il est vraiment pas fort. Je trouve que même Claptrap est plus fort quoi. Ou
alors je comprends pas l'intérêt du personnage, c'est possible aussi. Hein. Dans le jeu, c'est chaud, hein. Allez, casse-toi. Bien sûr, mais bien sûr. Allez. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Je pète un câble, je pète un câble, je pète un câble, je pète un câble. On se calme. Et on va finir cette mission de merde. Tu as la raison, entre. Tant mieux, tu combattras mieux la prochaine fois. Difficulté, mais vraiment. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi, mais c'est... pourquoi c'est aussi dur, je comprends pas. Le 2 était pas comme ça, quoi. Ils ont craqué sur la difficulté. Regardez-moi ça, il faut que je fasse... mais... tellement de dégâts, quoi. Voilà. Dans la brèche, mais vite, fonce avant que ça se referme. Ça c'est quoi comme quête? Faut que j'aille où? Pleine de tritons. Bah, je le ferai plus tard. Hein. On va faire la mission principale. On dit d'aller là-bas. Je sais pas si c'est moi qui vise comme une merde ou si c'est la visée complètement à chier. Désolé de dire ça, mais voilà quoi. Bon. C'est bon. Je vais arrêter de mourir. Ah, bien sûr, un gardien de l'arche. J'ai plus de munitions de ça. Faites ce que vous voulez, mais moi j'avance. Je vous regarde vite fait un truc. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est vraiment la fin du jeu. Ah.
ça c'est fait. Et on va dans l'entrée de l'arche. Par contre, c'est beau, hein. Pour être beau, c'est beau. Bon. Attendez. Voyons voir la map. Alors, ça. Prendre les petits crugs. Trouver l'entrée de l'arche. Et ben, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous ferons cette quête-là. Et entre vidéos, je ferai celle-ci. Hors vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était The Dead pour l'acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.